Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi et on va parler de Ne pleure plus Ibari. Le manga Ne pleure plus Ibari est un one shot des éditions Anna. Voilà. Nous sommes sur un manga qui date de 2020 au Japon et donc janvier 2022 en France. La série dans le genre romance étrange vit tout ce qu'il y a plus classique, à savoir en ce qui concerne le manga et les scènes. Nous sommes sur un manga âge conseillé aux 14 ans et plus, je dirais, parce que franchement il se passe absolument rien, sauf à la fin où on les voit le faire, mais on ne voit pas la chose. La chose est inexistante en gros, enfin, il y a une image où on aperçoit qu'il a quelque chose, mais c'est tout, après on ne voit pas de scène vraiment trash ou quoi. Franchement du 14 ans ça passe largement, ou 15 ans au mieux du mieux, mais voilà, franchement t'as 14 ans, tu lis ça, ça va pas me choquer, il y a qu'une seule scène. Et c'est tout. En ce qui concerne le mangaka, on est avec Akira Minazuki. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que la qualité de dessin est très sympa et donc personnellement j'ai vraiment adoré et c'est très agréable. A savoir aussi que j'ai acheté ce manga en boutique, donc j'ai pu voir la qualité de dessin avant d'acheter et donc savoir si je passais le cap ou pas de l'achat, parce que éventuellement il y a certaines qualités de dessin des fois qui arrivent à me rebuter quand même au niveau de l'achat. Pour ce qui est du manga en soi, donc on suit les aventures, alors je vais te lire le résumé. Kiyo Sumi, donc Sumi c'est celui-là, donc il est dessiné en tant que blond, c'est ça, sur les pages. Et donc on a Ibari qui a les cheveux noirs partout. Donc Kiyo Sumi est un photographe prometteur, vit avec Ibari, le petit frère de son meilleur ami qui vient de décéder. Se sentant responsable de la mort de sa mort, il recueille Ibari pour lui offrir un semblant de stabilité familiale. Bien qu'il lui ait volé non seulement son seul parent, Ibari ne déteste pas Kiyo Sumi. Au contraire, le jeune homme aurait-il des sentiments inavouables pour son nouveau tuteur. Et en fait, on découvre dès le premier chapitre que en fait, Ibari est amoureux de Sumi, parce qu'il s'appelle Kiyo Sumi, mais il est surnommé, diminué à Sumi au niveau... Enfin, le nom... utilisé c'est Sumi dans la série. Donc Sumi en fait donc avait une relation meilleure amie avec le grand frère de Ibari et un soir tout simplement Sumi a demandé à Ibari de passer pour X raisons et il va avoir un accident de moto. Il est parti en moto alors d'habitude il y allait en train, donc voilà le petit truc un peu facile, mais bon c'est pas très grave, ça peut arriver hein. Même moi je pense qu'il se passera un truc, je pourrais changer la façon de me déplacer habituelle, etc. pour aller plus vite. Et donc c'est ce qui se passe. Et donc pour se faire pardonner, Sumi demande, propose en fait à Ibari de l'héberger, de devenir son nouveau tuteur, etc. Et c'est ce qui se passe. Mais on découvre très vite que Sumi, lui, essaie vraiment d'avoir un rôle de grand frère, etc. Et que en fait Ibari est amoureux de lui. Et on va découvrir s'il est tombé amoureux de lui depuis qu'ils vivent ensemble, s'il est tombé amoureux de lui avant, etc. Je te laisserai le découvrir. Pour ce qui est du manga, j'avais vraiment aimé l'histoire, j'avais aimé le scénario, etc. Mais il y a eu un tout petit détail qui m'a dérangé au niveau vraiment de l'histoire en soi. Plus, comme je l'explique dans la partie intro, on a donc une relation charnelle qui est à la fin. Et je trouve que ça casse tout parce que pour l'instant, on était juste sur... une relation très platonique, bisous, oui et non, bisous volés, hein, comme on le voit d'ailleurs sur les pages que je t'ai montrées du premier chapitre. Mais voilà, on était sur quelque chose d'assez platonique et ce qui était pas mal au niveau du thème et du scénario de l'histoire. Puis finalement, on a une scène charnelle et je trouve qu'elle gâche absolument tout au niveau du scénario et du travail de l'auteur. Donc ça, c'est vraiment très dommage. J'ai trouvé aussi que les personnages n'étaient peut-être pas assez travaillés et assez développés. Et donc ça aussi, ça a fait la faiblesse de ce titre. En ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures, je trouve que ça laisse à désirer. C'est pas un truc que j'aime. Je pense que si tu me connais, tu comprendras vite pourquoi. Ça encore, l'image, je la comprends. Même si j'aurais aimé, du coup, vu que c'est marqué « Ne pleure plus Ibari », j'aurais bien aimé voir Ibari qui est ici, avoir les larmes aux yeux. Et quand on continue,
On a ce genre d'image. Et moi, personnellement, c'est le genre de truc que je déteste. Donc voilà. Après, on a juste un petit mot de l'auteur minuscule. Et ah si, voilà. Du même auteur, on a Smoky Nectar. Je sais plus du tout. Je te mets ça à côté de moi. Tu comprendras vite fait avec le symbole. Je sais plus du tout si ce manga m'intéresse ou pas. Donc je te mets la petite information à côté de moi. Donc en ce qui concerne les jaquettes, je n'aime pas du tout. Qu'on enlève la jaquette, et bon, on a la même chose, mais dans un autre ton. On commence le manga, on a une très très belle page par contre en couleur. Voilà. Et ensuite on continue avec encore cette illustration qui a été recyclée. Donc personnellement ça ne me fait plus aucun effet de la voir. Et on continue avec la page de sommaire avec la même illustration. Si tu fais gaffe que... Voilà, c'est la même. C'est cadeau. Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre, on en a. Mais sauf que si tu regardes la page du chapitre numéro 2... Encore des recyclés. Celle-ci est plutôt pas mal. Et je vais te montrer les deux dernières qui est ici. Voilà. Et on va terminer avec... Ouais, elle compte pour du beurre, hein, très clairement. Non, c'est même pas une page entre chaque chapitre. C'est une illustration qui poursuit, etc. Donc voilà, donc au niveau du rendu esthétique du manga, très 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 déçu. Et c'est bien dommage. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et permis de découvrir un yaoi que tu ne connaissais peut-être pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, n'hésite pas à aller voir ma précédente présentation des éditions Anna, la playlist des mangas des éditions Anna, ma tête de panda pour t'abonner à mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu as le compte Utip si tu veux soutenir la chaîne pour les Otaku France Tour. Tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux, le résumé du manga, des codes promo pour pas mal de sites. Et je tiens à préciser que je ne touche rien quand vous utilisez ces liens ou ces codes promo. Voilà. Et je te mets aussi donc mes autres réseaux sociaux, des autres chaînes, etc. Ainsi que ma page maintenant aussi en tant que modèle photo. Voilà, si jamais ça peut t'intéresser d'aller voir, etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!